Mechile. Edo gamblato morupo e sonodo meno hui numbo enando sogando atote e yolo do kufrole. Ebe azantita e basisun aton toloton e yin o hui na azon atole big bakbatato gbelome yeume basi o kufrole. Yedo o gan eton avunche do tamena yeto beto temon koton men. Kofro chapantie le yew le tinfie ye bio e basi gbeta snaf beneton lo ye lo su ye ma gon gbeta mon kotomando be avunja do tamena ye to ina no kwa vundo azon ye ton le sin dali be o titom lenkoton noel shadare ewa bonando so gando je kona no wa mon koton tonu kona ye u me basi o hotreto o gambla tole bete mon kotome ye u me basi ko fro chapantiele be medaho o runa basil etinto hobonto holome be wayi o gam mon kotondo alome to kutonto holome do buso du travail betito mon koton e vivina ye u me basi o kofre chapantiele be aya dija yin yeton mi kan hose medaho o runa basil be edo hona mi no iro mi ro huna basil de aso ko mi ton wa yi mo e gbede lo wo e ko fre le wa bi o syndicalism parce que te auto to aso ro mi to wa me o me re le no ata fu mi bono mo do ma do kan je ude yo no ta fu mi bono mo do ma do uran le ma nga wa ni no wo e mi da bi o syndicalism mo do po me re le so to mi wa lo nzo wa to le me Bonsoir, on passe une des manuels. Bonsoir, mon commission est en propriétaire. Donc, syndicat, on va dire d'un bord. Mais les madrons à ta fou, mais au mieux, coffre charpentier, les madrons à ta fou propriétaire. Mon copropriétaire, madrons à ta fou, mille sous. Non, ni ne les mêmes sont. Mais les madrons, y a son mérite en l'eau. Ouais, on venait les métiers en bas. Parce que ni mérite y a son mérite en constitution, les termes, mais y a son mérite en dos. Et t'es où tu es? Donc, mais non, d'une donnant, nous les bonnes badonnant, et t'es fit en un électron. Comme nous montons là, mais toi, tu vois déjà, mais nous zéné. Et mon bon fils, vous donnez, mais allons on attend. Voyez, ma route est tout hélée. Non, ni tant qu'on peut bien, mais car ça coûte beaucoup de boum à oublier et mêlé. Bien et là, y'a ni bien, mais ma soeur doit tout hélé. Bien et là, mais qu'on est un peu moins à fond de tout mon comme là, nous qu'on y a soit et tout en tout. Comme d'habitude, le premier, mais nous nous retrouvons tous pour célébrer la fête du travail. À mémoire de ceux qui ont. Ils se sont battus pour les travailleurs en 1886 dans les usines de Chicago pour que enfin le travail soit plus humain, plus humanisé. Et que au lieu de 12 heures, 14 heures par jour de travail, on revient à 8 heures de travail. C'est le combat de ces travailleurs, de ces usines de Chicago que nous commémorons. Donc c'est une occasion pour tous les travailleurs de se retrouver ce jour-là pour penser à ceux-là qui ont été pionniers. N'est-ce pas? Et qui ont permis qu'aujourd'hui le travail soit un peu plus humanisé, plus réglementé. Et penser aussi à l'avenir de tous les travail, parce que le travail aujourd'hui est devenu un problème. Il est rare, le chômage est rare. Ensuite, même ceux qui travaillent ne vivent pas du fruit de leur travail. Nous avons les conditions de vie qui sont très difficiles. Donc c'est des occasions de réflexion, même s'il y aura une fête, mais c'est avant tout une occasion de méditation, de réflexion, pour voir quelle est la direction à suivre pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. Ils sont en train de s'organiser. La première chose qu'on a fait, c'est de se mettre en fédération. C'est la première année qu'ils se retrouvent en fédération de la Confédération des relations syndicales indépendantes, Fédération Bois et Bâtiments. Donc on a là-dedans les menuisiers, les maçons, etc., les ferrailleurs. Ils se sont réunis, se sont retrouvés pour mieux réfléchir ensemble. Donc les actions qui vont être faites sont les actions que eux-mêmes, après avoir inventorié les problèmes qu'ils ont, auxquels ils sont confrontés, je l'ai dit tout à l'heure, quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés pour que le travail qu'on puisse régler, pour que le travail nourrisse son homme, nourrisse le maçon, nourrisse le ferrailleur. C'est à eux de se retrouver, de faire le répertoire, d'inventorier les problèmes qui les concernent et de voir avec la confédération, après avoir fait ce travail, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer leur conditions de travail et leur conditions de vie. Donc il y a des étapes. Et c'est pour ça que réfléchissez à vos problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire.
changer les choses pour vous, en tant qu'artisan, en tant que dans un secteur qui est un peu un secteur informel, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Donc, après cela, que nous allons. Moi, je réponds au nom de Lucrèce Arrondino. Je fais partie des techniciens maçons ici présents. Je suis la secrétaire administrative adjointe des syndicats nationaux professionnels. Ce sont des impressions de joie. En fait, c'est une fierté aussi d'être une femme du métier. Dans le métier, nous rencontrons plusieurs difficultés, certes, mais ce syndicat nous permettra de résoudre plusieurs problèmes qui s'y trouvent dans le métier. Nawe so gamba sigbon be eto tantame po mindonando avunjeto otame na meto be eba si a ohweto monokwa zonato be mere maso na tafu omede be hode edona minie be to temon koto me ayajije weina be minayo difedo son a zonato leto me mitinte to kuton to khlome Africa soleil mi magonwa monkoton sintome ena chinami gbao.